Seulement deux pays africains ont vraiment atteint un niveau de développement comparable à celui des Occidentaux en Afrique. Il s'agit du Botswana et de la Namibie, bien que pas aussi riches en minerais que la RDC. En observant ce qui s'est passé dans ces deux pays lors de l'indépendance, on comprend que Seretse Khama au Botswana, Sam Nujoma en Namibie, ont justement fait le contraire de ce que Lumumba et son garçon de course Mobutu ont fait au Congo. Le Botswana, par exemple, en 1966, lors de son indépendance, n'avait que 100 personnes qui avaient un niveau de secondaire et aucun universitaire. Au lieu d'être idéologique marxiste comme Lumumba et chasser les colons blancs qui géraient l'administration, le leader du Botswana a choisi de les garder pour qu'ils transmettent progressivement leur expérience de plus de 100 ans de gestion de l'État à la nouvelle élite noire progressivement. Cela a assuré la continuité de l'État et évité le chaos que Lumumba a créé en 1960 à l'indépendance et que Mobutu a répété avec la zaïrianisation en 1971. De 1966 à nos jours, un seul parti est au pouvoir au Botswana et cela a facilité la continuité d'une vision sociale qui a construit et développé leur pays. Encore aujourd'hui, au lieu de se référer à ces pays comme le Botswana ou la Namibie qui ont une économie des minerais comme la nôtre, nos politiciens se roulent dans la farine en imitant la politique française avec le spectre politique de la gauche et de la droite. Au lieu d'assurer au moins 50% des parts du gouvernement dans toute société minière qui s'installe au pays comme au Botswana, ils privatisent tout pour mieux voler et rester cachés comme actionnaires dans ces sociétés à vie. Napoléon a construit les Champs-Élysées en 1832 pour rester dans l'histoire de la France, mais eux veulent vivre avec les honneurs et être oubliés comme Mobutu après. Bouzo bas et lati costume, il y a trois pièces. Pendant ce temps, selon l'UNESCO, la population congolaise est parmi les populations les plus idiotes au monde avec son système d'éducation médiocre dans les domaines de base comme les maths, la compréhension, les sciences et l'esprit critique. Cela se reflète aussi chez nos politiciens qui sont tous des coquilles vides qui font semblant de savoir en eximant des gros mots français tout le temps à la télévision. Demandez-leur seulement s'ils savent ce que c'est que le principe de l'équilibre triangulaire des pouvoirs qui assure la stabilité en démocratie occidentale qu'ils imitent. Beaucoup ne sauront même pas ce que cela veut dire. Aujourd'hui, le fanatisme est devenu la norme. La population est rendue à une existence de survie, comme un animal. Quand le Congolais se réveille, il se demande ce qu'il va manger aujourd'hui. Et quand il dort, il pense à ce qu'il va manger demain. Pendant ce temps, les autres peuples pensent à comment faire évoluer l'intelligence artificielle pour avoir des voitures sans chauffeur. En République démocratique du Congo, malgré toutes les universités que nous avons, nous sommes toujours incapables de fabriquer ne serait-ce qu'un crayon à Kinshasa. Lumumba est mort il y a 60 ans, héros pour les uns, mais pas pour moi. Car il est, selon moi, la base des problèmes de la RDC aujourd'hui.